Hello à tous, c'est Larsis et bienvenue pour un épisode 2 de Terraria. Alors aujourd'hui, vous pouvez voir que j'ai avancé un petit peu dans mon exploration de la map. Donc je construis un petit abri un peu plus avancé, construis de quoi faire, de crafter des trucs un petit peu plus intéressants. Notamment une épée en fer, donc c'est déjà mieux que rien. D'ailleurs j'en remarque que j'ai deux épées en cuivre, je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Donc aujourd'hui je me suis dit, pourquoi ne pas changer. Et aujourd'hui je pense que je vais leur proposer une petite expédition dans une grotte. J'ai aussi une lance. Où est-ce que je l'ai chopé cette lance? C'est dingue ça. D'accord, non, bah, je sais pas. C'est le mystère du jeu. Bon, j'ai aussi un arc. Avec 118 flèches. Ah d'accord, les munitions sont affichées sur l'icône de l'arc. C'est bien ça. Attendez, je tire. Oh, c'est génial. Donc... Oui, je me délaisse un petit peu de mon matériel avant de partir à l'expédition parce que j'ai expérimenté quelques petites expériences désagréables. Je vais essayer un truc. Oui. Merde. Ah, punaise. D'accord, je suis déjà mort. C'est bien ça. Très efficace l'arc. Bon, c'est pas grave. On va prendre l'épée. Hein. L'épée, c'est une valeur sûre. Là je suis à la recherche, alors donc pour ceux qui connaissent pas Terraria, le jeu, la nuit, des étoiles filantes tombent. Et ces étoiles filantes permettent, donc pour ceux qui arrivent en accumuler un certain nombre, d'activer manifestement, à ce que j'ai compris, le mana. Donc qui sont les points de magie, et j'aimerais bien les activer, sauf que j'avais trouvé trois... Oh putain, oh mon dieu, le guild est en train de se faire poursuivre par deux zombies pédophiles, allez hop. On te laisse, hein, c'est pas grave, c'est pas un problème. Ah voilà, quand je disais étoile filante, en voilà une. Nickel, au pied de ma porte. Voilà, étoile filante, enfin étoile déchue, enfin n'importe quoi. Donc, je vais la mettre avec l'autre, c'est bien. Voilà, ça m'en fait deux. Si je me rappelle bien, il en faut 20, quelque chose comme ça. Donc, corrigez-moi si je me gourre. De toute façon, on s'en fout, on verra bien quand je les aurai. Alors, donc si... Ouais, est-ce que j'ai des torches? Voilà. Alors, si je me souviens bien, le... Oh, une chouette. Si je me souviens bien, la grotte que j'essaye de joindre est à droite et pourrait contenir des ressources assez intéressantes. Non, c'est pas celle-là. C'est plutôt vers la droite. Ah, le jour se lève. Ça tombe mal. Ça tombe même très mal puisque je suis dans une grotte. Alors, voilà, c'est celle-là. Et c'est... Vous allez voir, c'est... Oh, oh. Toile d'araignée. Alors ça c'est chouette les toiles d'araignée parce qu'avec ça je vais pouvoir faire du tissu et faire un lit qui va me permettre de redéfinir mon point de spawn. 19, ah il m'en faut dans les 50 pour faire un lit. Et oh, de la lumière, oh, des jarres, oh, oh j'y vois rien. Tiens, je vais la poser là. Voilà. Des pièces de cuivre, génial. Le truc sans valeur par excellence. Bon, c'est une faille, on peut pas aller plus loin. C'est pas grave. Alors, là, le plus dur, ça va être de descendre sans se casser la fiole. Alors, oh, oh, oh. Oh, le fond change. Je crois que j'ai intérêt à bien éclairer si je veux pas me perdre. Alors. Oh, du cuivre. Pas que ce soit très utile, mais... Enfin, si, on doit pouvoir faire crafter les trucs avec du cuivre. Je vais ramasser, ça sera déjà ça. Alors. À profond cette histoire. Oh oh. Est-ce que je peux placer des... Non, évidemment. Tiens, je vais me bouffer toute mon... Mais... Je vais bouffer toute mes ressources en bois avec ça, ce rythme-là. C'est bon. Oh, est-ce que c'est de l'or? Ça, c'est bien, ça. Oui, c'est de l'or. Oh, c'est chouette, ça. Je sais pas du tout à quoi ça peut servir, mais c'est de l'or. Ça sert forcément à quelque chose. Ah, dans tous les jeux, l'or sert à quelque chose. Hein? Hein? Bon, d'accord, c'était pas drôle. Alors...
évidemment, les torches ne fonctionnent que au-dessus de l'eau, c'est normal. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la boue, c'est de l'argile, c'est quoi? C'est de la boue, c'est de la boue, on s'en fiche. Oh merde, putain. Je prends quelque chose d'un peu plus... Ouais, voilà, de la terre plutôt que du bois, je gaspille mon bois. Là. Bon, alors je sais que je fais des trucs pas très beaux pour m'en sortir, mais... Vous m'excuserez, hein, parce que... De toute façon, je vais pas revenir dans ce tour. Ou alors je vais revenir tellement souvent que ça sera bien utile. Quoi, c'est tout? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Oh, mais qu'est-ce que c'est là? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une construction en haut de l'écran, je sais pas si vous l'avez vu, c'était assez spécial. Mais... Alors attendez, il va falloir que je fasse un pont en bout, enfin en terre. Ça c'est con parce que quand vous placez des blocs en fait votre curseur. Voilà, vous voyez ça c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une mine? C'est... Oh. On va bien voir ça. Alors... Il va falloir que je... Voilà. Oh bah, évidemment. Alors... Vidéo bombing level, avast. Alors... Bouteille en glace encore. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des coups de doigts lancés, mais c'est génial ça. Attends, ça fait quoi? Oh, c'est génial. Et en plus, on peut ramasser le couteau. Alors, ça, c'est génial. Sympa. Mais alors, je sais pas du tout ce que c'était que ça. C'est une mine abandonnée, c'est quoi? J'en sais strictement rien. Alors. On récupère ce cuivre. Hein. Oh, il y a encore plus de cuivre. Je viens de me faire prendre au piège d'une colonne de sable géante. Damn. C'est pas grave, c'est pas grave. On continue. Au moins, ça vous fera de quoi faire des lingots de cuivre qui nous permettront de faire je ne sais pas quoi. Peut-être une armure de cuivre. Qui sait? Pas que je regarde dans le wiki comment est-ce qu'on peut crafter ça. Alors, là, ça en fait pas mal. Hein. Sinon, je trouve que l'interface de ce jeu est bien pensée. Je veux dire, quand tu ramasses du minerai, il t'indique un petit peu la quantité que t'en as. Genre, dans la haute barre, il t'indique la... Le nombre de munitions que t'as pour l'arc, c'est assez bien pensé comme système. J'avoue, on s'y retrouve facilement. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Une grotte, mais je sais pas trop. Non, on va y aller, on va aller ailleurs. C'est vidignant cet abri. À quoi ça sert? Tiens, il y a un autre machin truc en dessous. On va aller voir. Mélange de terre et de bois, donc voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du métal? C'est du fer? Ah ouais, c'est du fer. Bon, tu vois, j'étais bien inspiré. Ça y est, je me mets à tutoyer mon public. Hey, salut public. Alors. Ah! D'accord. C'était pas la bonne idée d'ouvrir cette porte. Qu'est-ce qu'on a pas idée de faire une porte? Bon, y a rien d'intéressant. Ok. Mais c'est vraiment bizarre comme environnement. Je veux dire, je... C'est pas ce qui a pris... Ce qui a poussé dans la tête des mineurs qui ont fait cet endroit, mais... Pas très rassurant. Bon, ça c'est bien par contre, les petits rochers pour descendre. Alors... Pas que j'aille dans... Ah, ça c'est un truc. Je me souviens plus du tout de ce que c'est, mais je me rappelle qu'à l'époque on m'avait dit que c'était des sortes d'établis qui permettaient de crafter des trucs maléfiques. Alors je sais plus trop si c'est ça, corrigez-moi si je me gourre. Je veux bien voir de toute façon. Mais de toute façon je pense pas que je puisse crafter quelque chose à proximité puisque. Est-ce que je peux les casser avec le marteau? Si je pouvais les casser avec le marteau, je pourrais leur emporter chez moi. Mais j'ai doute que je puisse. Je te fais des tunnels. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as à m'offrir si je te tape avec un marteau? Ah non, bon c'est pas ça du tout. Ok, j'ai rien dit, je te laisse tranquille mon vieux. Te fais pas de billes.
tu as à m'offrir. Oh. Oh, une potion de soin mineur. Oh, d'argent, bien fait. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est du topaz, si je me souviens bien. Ah non, c'est de l'améthyste. Bon, bah, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, je sais pas du tout ce que je peux en faire. Je sais pas, il y a l'air d'avoir pas grand-chose d'autre. Non, c'est bon. Eh ben écoutez, si c'était tout... Oh là là, on va pas tomber dans le trou, c'est bon. Ça va être un enfer pour ressortir. Alors. Donc, oui, c'était tout. Ah non, il y a à droite maintenant. Il y a à droite. Les amis, il y a à droite. Tout n'est pas perdu. Je ne me suis pas encore lassé de cette grotte. Ah, j'ai peut-être fait une connerie. Non, c'est bon. Oh, il y a du cuivre là. Je vais peut-être essayer de l'avoir. Alors oui, donc dans ce jeu, on récolte des minerais. C'est d'ailleurs principalement l'un des principaux intérêts de la chose. Oh putain, c'est des coffres encore. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des grenades, oh ouais. Ça c'est génial. Attends, putain, j'hésite moi entre le couteau à lancer et des grenades. Hard glit. Je peux pas m'en équiper. Ah si. Alors je sais pas du tout ce que c'est, bon c'est pas grave, on va se poser de questions. Alors là le problème c'est que si je casse ce bloc de cliff, t'as tout le lac qui va se déverser sur moi. Pas bien grave, allez hop, on s'en fout. On s'en fiche, je déconne, c'est des conséquences, on va inonder toute la mine. La gestion de l'eau dynamique est bien faite quand même, je dois reconnaître. Bon, ce qui fait que je vais pas pouvoir miner le gisement en entier parce que sinon je vais me noyer. C'est con ça. Ah non, ouais, vous voyez ça? Là, nickel. Descendons, descendons. Voyons ce que ma gaffe n'a pas inondé. Bon, je peux pas vous aller à ça là, donc c'est con. Oh punaise. Oh, je suis sur un truc bizarre. Ah, la musique change? La musique change. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Où suis-je? Oh mon dieu. Ah! Mais quel con! Mais je te déteste! Tiens, prends ça. Je te déteste, le slime qui me fait tomber. Putain. Ah putain! Ah putain! J'essaie de sauter pour l'esquiver et... Putain, putain, c'est pas de mal, tu ce slime déjà, ça sera de chassette. Non, putain! Il sort toujours de terre là où je m'y attends pas. Voilà. Je vais t'avoir, je vais t'avoir, je vais t'avoir. Oui, je l'ai eu. Nickel. Haha. Alors, toi, tu vas morfler. J'aime pas les slimes. Ça me fait du gel, d'accord, mais j'aime pas les slimes quand même. Alors, récupérons ce cuivre. Je sais pas du tout à quoi ça va me servir. Alors. Oui, donc j'ai baissé un peu le son de la musique, puisque vous avez été nombreux à faire la remarque dans la dernière vidéo que le son de la musique était trop fort. Et je m'en excuse, j'ai remarqué ça au montage, mais trop tard, et je pourrais rien faire, parce que de toute façon, les pistes de mon micro et du jeu sont mélangées. Donc c'est soit je baisse le son général, soit rien du tout. Et si je baisse le son général, ça change strictement rien. Bon, c'est pas grave. Ah, putain, ça va en faire, ça va en faire. 93, pas 26, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas ce qu'il m'affiche. Hein. Ça doit être... Ah, c'est peut-être le nombre de trucs qui restent... Non, je sais pas. C'est le nombre de trucs que je récupère en un coup, d'accord. C'est bizarre d'afficher cette information. Enfin, j'aurais cherché à afficher un truc un peu plus pertinent, quoi. Évidemment, je me retrouve bloqué, maintenant. Oh non! Un slime jaune fluo! Je sais pas ce que ça fait. Oh, et une... Non, putain, je suis bloqué. Putain. Qu'est-ce qui est gigantesque, ce truc? Il y en a combien? 36, 45. En fait, est-ce que les armes gagnent de l'expérience au fur et à mesure qu'on s'en sert? Ou c'est l'utilisateur qui gagne de l'expérience? 8% de speed. Ah ouais, non, en fait, c'est les armes gagnent de l'expérience. De l'expérience quand on s'en sert, c'est bien ça. Alors j'ai récupéré une plante, qu'est-ce que c'est? Une
une racine brillante. Bon, d'accord. Ça fait un peu Skyrim, mais bon. Attends, qu'est-ce qu'il y a comme cuivre? Je sais pas du tout si le cuivre va m'être d'une utilité, mais bon, puisqu'il est là, je le ramasse. Hein. C'est un petit peu le syndrome du mineur fou. Je vois un minerai, il faut absolument que je le ramasse. Voilà. Ça va m'en faire des lingots. Si je te fais pas une armure, je sais pas ce qu'il te faut. Alors. Allez, hop. Et on casse tout ça. Oh putain, ça va encore profond, ça va encore profond. Et j'ai plus de torche, merde. Heureusement que j'ai du bois. Allez hop, on descend prudemment. Accroche la ceinture. Attention à la tête. D'accord, on va pas se poser de questions. Voilà, on va faire un petit stock de torches. Et on va continuer à descendre vers le... Oh oui, ça c'est bien ça. Ça c'est bon signe. Ça c'est un cœur qui va me permettre de me rajouter de la vie. Si je l'utilise, de toute façon je m'en fous, je vais l'utiliser. Nickel, voilà, plus de vie. Ah, bon, bon, on avance. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, à gauche il y a le minerai. Je sais pas ce que c'est. Ça a pas la même couleur, mais ça a pas l'air d'être du fer. Ah si, c'est du fer. Oh bah c'est encore meilleur signe. Oh génial. Je la sens bien cette grotte, je sais pas vous. Enfin je la sens bien, ça vient de parler. Mais... Ça y en a. Ouais. Nickel. Oh non hein. Tu ne peux pas te mesurer à moi. J'ai 120 points de vie. Ah 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 ah. Ouais nickel. Oh non. Aux gens. Alors là, oui, l'astuce c'est de se mettre dans un endroit pas sur le sol puisqu'on voit, on voit pas où il arrive. Tu reviens. Je t'entends. Oui, bien. Oui, je l'ai eu. Nickel. Je deviens de plus en plus fort. Ben, allez. C'est bouton droit pour récupérer une torche. Oh putain, mais ça descend. Ça encore. Écoutez, moi je sais pas vous, mais je pense qu'il vaudrait mieux s'arrêter ici. Ah putain, ça suffit pour un épisode. Hein. Et puis je pense que on se reverra dans l'épisode suivant pour la suite de cette grotte, hein, parce que ça me semble riche en surprises cet endroit. Je vais aller récupérer, je vais aller à la base récupérer, stocker mes affaires parce que c'est. Je commence à avoir accumulé un certain nombre de ressources intéressantes. Alors, comment est-ce que je vais remonter? Comme ceci. Oui, je sais, c'est pas beau, on s'en fout la gueule. Alors, hop là. Allez, sur ce, à la prochaine. Et ben, et rien du tout, à la prochaine. Allez, hop.